Wesh wesh la panne sèche! Ouais, moi aussi je peux inventer des phrases d'accroche, hein. Facile. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Grand Prix de Hongrie 1997-1997. Sauf Formule 1 toujours. On va du coup passer à la qualification. Alors ça va pas être facile. Là par contre, gros coup, gros coup difficile. Là on n'est plus dans les Grands Prix où on a nos chances. J'ai baissé un peu les ailerons, histoire d'avoir plus de vitesse. Mais vous allez voir, ça va pas être simple. On va faire passer la session, lancer les qualifications. J'arrive dans le top 22. Ce qui est ironique parce qu'il y a besoin de voitures, mais en gros vous avez compris. J'arrive en gros à pas être dernier. Donc c'est déjà pas mal, c'est qu'on n'est pas pire qu'en Argentine ou autre. Mais c'est pas non plus la folie quoi. Ah, j'attends pas en 3 heures aussi. Press X to start, c'est parti. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, déjà par rapport aux essais libres, j'ai baissé de 10 les ailerons. J'ai mis 60 lors de mes tests. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne. Je vais voir si je peux quand même tourner parce que c'est un circuit qui est très sinueux. Donc, va falloir quand même avoir un peu de grip minimum, on va dire. Je me tâte même à mettre moins à l'arrière en fait pour que la voiture ça me prenne mieux dans le virage. Crois que mon cours du tour c'est une 11 100 quelque chose. Mais ça sera loin d'être suffisant. Alors peut-être qu'en baissant un peu les ailerons, ça peut passer. Ah non, mais ce virage, je perds énormément de temps. Il y a quelques endroits du circuit, je m'en sors un peu mieux. Ici, il faut faire gaffe à l'accélération. Parce qu'on a tendance à passer instantanément à l'opposé si on glisse. Les ailerons avant de ces voitures ont dû être modifiés ces dernières années. Ils sont maintenant plus épais et plus arrondis aux extrémités de façon à diminuer le risque de crevaison en cas de choc. Voilà, par exemple, cette chicane, je m'en sors pas mal par rapport à eux. À voir avec moins d'ailerons. Bon, une 11 6, sachant que j'ai pas fait un tour énorme, hein, vraiment. Ouais, j'ai un peu coupé plus que prévu, mais bon. On gagne pas énormément de temps non plus. D'ailleurs, vous en avez la preuve. Je suis en retard par rapport au mon tour d'avant. Là, je ressors un peu plus vite. Donc, j'aurais gagné quelques dixièmes. Voyons combien il fait par rapport au temps de qualification précédent. Il est en avance sur le leader au deuxième intermédiaire. Ouais, alors Trulli fait mieux que moi. Hein. Une 09 480. Il rétrograde en première. Il passe la troisième. Troisième. Bon, ça va pas être un tour exceptionnel. Faut éviter d'aller sur les livreurs en plus, puisqu'on perd du temps. Ok, jetons un œil sur les temps de qualification enregistrés jusqu'à présent. Il enregistre un meilleur chrono au premier temps intermédiaire. Ouais, là, je m'en sors mieux au niveau trajectoire. Il est en retard au deuxième temps intermédiaire, mais il a amélioré ses résultats précédents.
Ok, bon, je pense que c'est difficile de faire mieux. Une 10.7, quatrième temps. Ça semble pas trop mal. On va rester là-dessus. De toute façon, je vois pas trop comment on fait mieux. Parce que si j'ai plus d'ailerons, je vais aller moins vite. Donc en fait, ça va s'annuler. Et je crois que j'ai fait mon meilleur tour par rapport à avant. Donc on va laisser comme ça. Fin de qualification, c'est bon. Non, on va faire fin de qualification, oui. Et on va revenir à la configuration de la voiture. Histoire, bah, comme d'habitude, de voir un peu la grille de départ. Et comme à notre habitude, on va masquer les résultats, comme ça je ne me spoilerai pas. Allez, je ferme les yeux. Qu'est-ce que ça semble long quand les yeux sont fermés? C'est bon, heureusement j'ai pas pu voir. Allez, c'est parti! Bienvenue sur le circuit de Budapest où se tient aujourd'hui le Grand Prix de Hongrie. Ce circuit de 4 km à proximité de la belle ville historique de Budapest est l'un des plus étriqués du championnat. Les écuries devront choisir un maximum d'appui sur les ailerons de façon à permettre aux pilotes de bien négocier les nombreuses courbes du tracé. Même ainsi, les pilotes devront être au mieux de leur forme pour éviter de sortir de la piste. De bonnes positions sur la grille de départ jouent également un rôle primordial. Ah, je vais perdre un 19ème, je pense. Ouais, 19ème. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Bon, je vais vous faire l'affront de trop reparler, évidemment, de l'année 97, de ce vrai Grand Prix qui aurait été un Grand Prix exceptionnel, avec des Monil en tête sur la Rose Yamaha pendant quasiment toute la course. Bon, moi, j'ai fait mieux que mon équipier, au départ. Bon, on commence super mal le départ, dites-moi. Oula, ça a bouchonné un peu devant. J'ai fait l'effort de ne pas leur rentrer dedans. Super. C'est exactement le genre de départ qu'il aurait souhaité. Ah, par contre, est-ce que j'ai assez de vitesse pour rester devant eux? Parce que je veux bien pas avoir beaucoup d'ailerons, mais si ça me sert à rien, on va pas aller très loin. Donc c'est ici qu'ils sont plus rapides que moi, largement. Hein. Voilà, vous voyez, hein, les deux Minardi, elles m'ont déjà mis un gros vent. Cette année, on verra peut-être des pilotes donner des signes de fatigue. En effet, toutes les écuries ont abaissé la position du pilote qui se retrouve incliné plus en arrière et les pieds légèrement surélevés. Là, voilà l'endroit où je peux remonter un tout petit peu et encore après, c'est compliqué parce qu'ils ressortent mieux. Extraordinairement bien malgré son manque d'expérience. Nous voilà dans le deuxième tour maintenant. Ah, c'est fou, hein. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment beaucoup plus de grip que moi. Ah, la Minardi, oh my word, quoi. Je voulais rester à l'intérieur, hein, sinon ils vont me dépasser. L'écart se creuse. C'est marrant parce que dans tous les autres jeux de F1, dans la chicane qu'on a eu avant, c'est là où on gagne du temps. Et bien dans celui-là, pas du tout. C'est là où on en perd. Wow, ça m'a déstabilisé. Jean Alesi. À la cinquième place, Michael Schumacher. En sixième position, Giancarlo Fisichella. Bon. Nous voilà dans le troisième. On n'a pas le rythme du tout, hein. En tout cas, vous l'aurez compris.
Ouais, les circuits lents, ça va être la tare de notre Tyrrell. Bon, hormis Monaco. Parce que Monaco, bon, ça sortait plutôt bien. Du coup, je pense que RS, on va galérer aussi. Il cède du terrain. Ok, voyons maintenant comment se classent les pilotes après les 6 premiers. À la 14e place, Ralf Schumacher. À la 15e place, Mika Salo. 16e, Damon Hill. Non! C'est Salo! Il a probablement laissé un peu de gomme sur ce rail. Cela le fait reculer. Voilà, déconcentration. Regardons les temps autour maintenant. Il est en retard sur le leader. Et en plus, ouais. J'ai quand même du mal. L'un des problèmes auxquels les pilotes doivent faire face est la visibilité. Leur visière se salisse vite en course. Bien sûr, quand il devient vraiment difficile de voir au travers. Alors on m'a dit dans la vidéo d'Allemagne qu'apparemment avec triangle, on pouvait nettoyer la visière. Mais écoutez, on va tester ça. Ah ouais, oh, c'est énorme. Ok. Et voilà, bah, comme quoi je confirme que c'est la première fois que je sais ça. En fait que c'est écrit dans le manuel, hein. Je vous avoue, j'ai pas forcément. Classement de la course à la première. Le manuel, j'ai dû le lire il y a 20 ans, hein, donc. En deuxième position, Williams numéro 1. À la troisième place, Eddie Irvine. En quatrième, Jean Alesi. Cinquième, Michael Schumacher. Ah mais à la rigueur, je suis plus lent que Marquez, quoi. C'est un scandale. Alors je pense que si on touche légèrement l'herbe, des fois ça peut nous aider à se retrouver au bon côté de la piste sans pas trop de temps. Je vous avoue, je tenterai pas trop ça, hein, parce que... Moi ici par exemple, si je glisse un peu, je vais peut-être rentrer mieux dans la chicane. Mais bon, je gagne rien dans la chicane, ils sont beaucoup mieux rapides que moi. Marquez, c'est mieux que moi, quoi. L'illumination, quoi. J'espère que cette collision n'a pas causé trop de dégâts à son aileron arrière. Il cède du terrain. Et maintenant, quels sont les pilotes dans la suite du classement? À la 7ème place, Gerhard Berger. 8ème, Shinji Nakano. 9ème, Nicolas Larine. Il me semble que Nakano a marqué un point dans cette édition aussi. Canada et Hongrie. De survivre en dépit de plusieurs échecs décourageants. Cette saison, Tyrrell fait preuve d'optimisme avec peut-être la meilleure équipe de pilotes qu'il ait jamais constituée durant ces dernières années, à savoir Jos Verstappen et Mika Salo. Ouais, enfin ils ont envie de déchanter quand même Tyrrell en 97 parce que... Fantastique. La voiture en tant que telle peut-être pas mauvaise, mais le fait d'avoir un moteur V8 Ford en 97, sans déconner... L'écart se creuse.
Bon, je pense que c'est pas le bon choix stratégique d'avoir mis pas assez d'ailerons. L'écart se creuse. Je regarde maintenant le classement de la course. En premier, Ah non, mais au secours. À la deuxième place, Williams numéro 1. Attendez, en troisième position, Eddie Irvine. Que s'est-il passé? Plus que trois tours à franchir avant la fin. En quatrième, Jean Alesi. Cinquième, Michael Schumacher. En sixième, Giancarlo Fisichella. J'arrive même pas à tenir la corde. La distance s'accroît. Il recule un peu. Il n'a plus que deux tours à faire. Non, allez, en vitesse de pointe, c'est incroyable. J'arrive même pas à aller. Il va plus de que moi. Dixième, Johnny Herbert. Onzième, David Coulthard. À la douzième place, Mika Hakkinen. La distance s'accroît. La distance s'accroît. Allez, on va essayer de pas se faire avoir, rester au moins 19ème, même si ça n'a aucun intérêt. Enfin, 18ème. C'est une victoire pour Hans Harald Frenzen. Oh, Frenzen qui emporte la course. Je suis sûr que cette victoire va faire énormément plaisir à Frank Williams et à toute l'écurie Williams. Deuxième, Williams numéro 1. Ouais, doublé Williams, ça va faire notre affaire par contre. Troisième, Jean Alesi. L'écart se creuse. Je me demande si c'est pas les Stewart, son dernier et avant-dernier. Ouais, c'est ça. Et voilà, du coup, 19ème. Eh bien, je pense qu'il peut vraiment faire. Bon, bah, pas un grand prix inoubliable en tout cas. Alors du coup, Frenzen, Villeneuve, Alesi, Irvine, Schumacher, Fisichella, ah, un petit point pour le Jordan. Bon, meilleur tour en 1.7, on n'aurait jamais pu faire mieux.
On reste 3ème au championnat. Allez-y, 4, 5ème Villeneuve, 6ème Irvine. Bon, en tout cas, Frenzen 2ème, c'est la première fois que je vois ça. Schumacher 2 premier. On va faire donc Williams 90, 85 Ferrari, 50 Benetton. On reste 4ème, bon, on devrait pas trop bouger, je pense, de notre côté. Mais écoutez, on se retrouve pour le Grand Prix de Spa. J'espère que ça se passera un petit peu mieux pour nous. À la prochaine, ciao tout le monde!